Hey, bien le bonjour. Je vais me taper tous les... Wesh. Salut. Bien ou bien? Ça va. Je m'entends en écho. Hein? Je m'entends en écho et je t'entends moins. Ah, donc. Ah, là c'est mieux. Oui. J'ai oublié de déployer le micro. T'es sur Ready or Not? Non. Ah, comme ta description, elle est bien alors. Bah. Quoi, le serait pas bien? Ah, parce que je sais pas, je t'ai vu ce bumper que tu fais. Ah. Hello, nice city. Ah, tu suis allé voir ton live tout à l'heure, à l'instant même. Ça va, ça a été le taf? Salut, ouais. Salut, Night City! Ravi de vous retrouver! Mon invité ce soir est le lieutenant Sarah Krakowski, porte-parole du NCPD. Bonjour ma belle, bienvenue dans l'émission. Bonjour Ziggy. T'as fait la mise à jour de la console? Qui a perdu la boule dans cette tour? C'est une affaire privée. Tire-toi de là. Attends, peut-être qu'il connaît Barry. Est-ce que je peux faire quelque chose? Peut-être. Est-ce que vous connaissez Barry? Vite fait. On a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami et on a peur qu'il fasse une bêtise. Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. C'est juste une vieille tech. Mendez! Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé? Ouais, pourquoi pas. Je suis en train de tester le nouveau contenu qu'il y a sur The Group. Merci et soyez patient avec lui. Les anciens flics sont du genre susceptibles. Je verrai ce que je peux faire. On sait, j'ai la date du DLC de SnowRunner, 31 janvier. Il n'y a pas de 31 janvier. Le 30 janvier. Bah si. Non. Janvier 6, 31. Ah si, oui. Bah si.
J'avais un doute. Toi, tu m'as mis un doute. Non, mais je crois qu'il y avait... c'était 30. Plus le DLC de... de Division qui arrive dans une semaine. Hey Barry, ça va, vous allez bien? Bon, je prends ça pour un oui, hein. Je réessayerai plus tard. Ouais, je disais, Lucas, hier, il a paqué Jazz en Toti, j'étais dégoûté. Bah, juste avant que je me déco, en fait, je vais dormir, tu vois, puis ce matin, je vois le message, je fais, oh, le bâtard. T'as un, il a ouvert 250 packs, il a rien eu. Donc, tu vois, ça arrive pas qu'à nous. Ça fiche quand même. Bizarre en ville. Des sortes de fresques. Mais... je sais qu'elles sont pas réelles. Bah, c'est juste un bug de Kiroshi. Je peux regarder? Non. Les images sont trop complexes pour un bug. On dirait... des sortes de symboles. Dans ce cas, c'est la biopuce. Ton cerveau arrive pas à gérer la surcharge de données. Ou bien ton cortex est atteint. Tu peux faire quelque chose? Non, vaut mieux trouver comment te débarrasser de la biopuce. Franchement sympa les t-shirts. Ouais, j'ai vu ça hier. 13 euros et quelques le menu. Les deux. Mais what? T'as réussi à mettre les images de... les vraies images de la map là, putain, c'est énorme, sur The Crew là, t'as l'impression que, putain... J'ai vu une image bizarre dans la rue. Ça m'a fait penser à toi, à ton boulot. Moi, bon, pouvoir rouler avec la... Tu peux me la décrire? Je l'ai scanné, regarde. Un tarot, un arcane majeur. T'as vu un signe d'une puissance supérieure. T'as dit quoi? Un arcane majeur? Une carte de tarot, un archétype, un savoir sous forme symbolique, une étape dans le voyage de ta vie. À toi de choisir. Bon, bref. Tu dis qu'une puissance supérieure me parle à travers les tarots? À toi ou à Silverhand, ou à vous deux, vu que vous formez un tout harmonieux pour le moment. Ça simplifierait les choses si cette puissance supérieure était plus directe. Tu sais, le monde est un labyrinthe d'illusions. La lumière a du mal à éclairer la prison de notre existence terrestre. Ouais, super. Et moi, je fais quoi d'un signe que je pige pas? Et qui vient d'une puissance dont je sais rien? Je commencerai par en chercher d'autres. Le tarot décrit une route. Alors, tu dois la suivre. Je sais toujours pas ce que je suis censé faire de ce que je trouve. Cherche d'autres images. Elles doivent être liées à l'endroit où tu les trouves. Pense à ce que tu vois. Si tu veux mon avis, on te les envoie pour t'aider à trouver la vérité. Trouver la vérité, c'est pas franchement ma priorité en ce moment. Une épreuve difficile t'attend lorsque tu devras choisir la route à suivre. Alors, tu comprendras. Je sais pas. Reviens quand tu en auras trouvé d'autres. Comment? Je t'aiderai à déchiffrer ce que t'as vu. Hein? Moi, je suis en train de montrer Carix Steve, t'as Jimmy sur le téléphone. Qu'est-ce que... Leur corps ne vieillit pas! Mais observez leurs yeux! Froids comme ceux d'un mort! Et quand tu traînes avec ce genre de choum,
Leur corporation n'existe que pour dissimuler de quelle manière ils survivent. Ou plutôt, comment ils demeurent non morts. Je vous le dis, Saburo n'a pas quitté notre monde. Il se repose tranquillement dans la crypte familiale. Il se nourrit du sang de ses serviteurs. Ce serait pas si surprenant. Ils ont dit à la télé qu'ils développaient une tech d'immortalité. Un simple mensonge pour dissimuler leur nature inhumaine. La technologie n'en est pas à l'origine. Elle provient de leur sang de mort. Allez voir de la main. Je vais voir un charcutoc aussi, je mets un autre charcutoc. Charcutoc. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a un autre là-bas. Bref, je vais voir aussi Wakako. Le Kabuki, hein, le Tamé, Wakako. Je vais voir Wakako. Ça m'énerve ça. Jackie. Hmm? Jackie qui s'écoute. Ouais. T'as vu maintenant les parties, ça te dit celle que t'as fait. Genre quand je me suis go, j'ai fait la mise à jour de la play. Ouais. Puis après, tu sais, bah, y a ADC Crash dans leur vocal. Et en dessous de la vocale là qui est active, ça me montre les autres, les autres parties dans lesquelles j'étais. Ah ouais? Au milieu, genre par exemple hier, toi et moi. Donc genre, peux-tu voir leur partie? Je peux voir, c'est ça? Bah en gros, c'est tu vois dans partie. Ouais. Et tu vois récent. Genre hier, la pipi box. Ah oui, récent, lunch break, FIFA 24. Ah ouais! Je trouve ça débile. Bah ouais. Sur le futur Cyberpunk, il y aura peut-être sûrement du multijoueur. Ah ouais? Bah, de toute façon, c'est ce qu'ils auraient voulu avoir sur le 1. Hein. Et maintenant, je sais même pas depuis quand, j'ai pas fait. Maintenant, on peut faire des roues en moto sur Cyberpunk. Ouais, parce qu'avant, tu pouvais pas faire des roues. Wakako Okada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand t'auras un moment. On doit régler nos comptes pour Sandra Dorset. Vous vous êtes bien débrouillés. Ton ami et toi. À plus tard. Du coup hier je suis passé de pour le Burger King de 120 couronnes à 208. Plus regardant, heureusement que j'ai regardé les t-shirts avant qu'on part parce que du coup en, genre dans le menu c'est soit M soit L les t-shirts. Du coup je prends M les deux. Tu mets du S, toi. Ouais mais après le M ça va mais... Parce que ça fait un peu plus long tu vois. Parce qu'au niveau des manches ça va, c'est juste au niveau de la taille tu vois. En personne dans mon noble petit salon. Et du coup, ouais, je prends les deux en M, puis le t-shirt noir il était en L, je crois. Alors, qu'est-ce qui t'amène? On a encore après, une affaire unité, donc là, ça se trouve, il y en a, ils vont y aller, il y aura plus rien. Je viens de Sandra Dorset. Ah, ouais, bah après, ils ont du stock. J'oublie hein. Jamais ce genre de choses, V. Voilà ta récompense. J'y ai ajouté un bonus plutôt. Il va faire une mise à jour de la console. Non, bah. Non, mais
Comme tout le monde. Toi? Non, ouais, non, du tout. Dommage qu'ils n'ont pas rajouté les machines à sous. Dis quoi, t'as me... J'ai pas compris. C'est dommage qu'ils n'ont pas rajouté les machines à sous. Je sais pas ce que t'en as. T'as juste deux ou trois bandes d'arcade que tu peux jouer. Enfin, y a trois jeux de bandes d'arcade différentes. Tu es un clic, merde, j'en suis malade. Oh les bâtards, c'est la meilleure musique du jeu. Il va me péter la gueule, lui. Vas-y, viens, péter la gueule, vas-y, viens. Vas-y, essaye. C'est vrai que t'as la rafale en 2000. Alors, y'a quoi de beau? Je te laisse choisir. Pas ouf, hein. La glace carène, putain. Comment ça...
du coup. Ouais. J'ai vu des vidéos là sur le prochain Tomb Raider, donc je suis rassuré parce que dans les contrôles t'as le mode moderne, donc t'as le moderne où tu peux tourner la caméra et t'as le mode tank. Et le mode tank en fait c'est le mode à l'ancienne, tu sais, où tu pouvais pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, vite fait. En fait, mode tank c'est à dire que pour changer de position faut y aller à l'ancienne quoi, sur PS1, comment c'était claqué au sol. Et là, version moderne, bah ce sera un peu mieux quoi, enfin ce sera la version que tout le monde joue quoi. Après, ils ont fait ça vraiment pour les puristes, quoi. Qu'est-ce qu'elle a réussi, elle ? Ah, la main qu'on a mis ici. Points. Bah ça reste sous les pistes. Non mais il m'impose les voitures là, je peux pas choisir.
Important comment? J'ai peut-être trouvé une solution à notre problème commun. J'ai réussi à contacter un de mes vieux amis chez Arasaka. Il est un maître hostile en ce moment. Et il est en relation avec certaines personnes influentes. Un vieil ami en relation avec des gens influents. Pourquoi autant de mystère? Dis-moi tout. Une seconde, faut que j'y aille. Pourquoi? Mieux chez la voiture, hein, pour tout fêter. Ben, mais pour la faire partir, faut y aller, quoi. Ah, vivement que je fasse avec ma Hoonigan. T'as quoi? Ma Hoonigan. C'est laquelle? Hein? Celle-là. Ça dérape de ouf. Hein? Ouais, mais ça, elle drifte mieux, celle-là. Après celle-là a été faite vraiment pour le drift. Par contre, elle a un putain de couple, mon gars, de la patate, hein. Ah vache. Je vais pas me priver. Oh. Non. Ah, mais t'as qui me rend, t'as bien. Ouais, et donc? Nous nous rencontrerons. Toi, moi et l'ami dont je te parle. Tu lui raconteras ce que tu m'as dit. La vérité sur les événements au Kumpe Kiplaza. Il y a peu de chances qu'on arrive à le convaincre. Mais c'est un début. Oups. Tu devrais savoir que Night City met à l'épreuve les relations de confiance, y compris celles entre vieux amis. Ce type, tu lui fais confiance? Nous avons eu de nombreuses occasions de nous entretuer. Oui, je lui fais confiance. Non, c'est la... Ouais, c'est... D'accord. Où et quand a lieu le rendez-vous? Ouais. Japantown. Après le coucher du soleil. 140 chevaux. Je t'envoie les coordonnées. 140 chevaux. On se retrouve là-bas. Mon avocat va t'accracher le cul. T'entends ce que je te dis? Il va te mettre en faillite. Auriez-vous la maladie de m'indiquer les coordonnées de votre avocat? Va te faire foutre, t'as de circuit. Merci. Analyse des informations. Veuillez patienter. Salut, Del. Bonjour, madame ou monsieur. Que puis-je faire pour vous? Il était tout derrière! Ah, bah maintenant je suis devant. Ça te pose un problème? Non, ça fait rien. Qu'est-ce qui te prend, Del? Tu me reconnais pas? Tu m'as envoyé un message. Tu me disais de passer pour l'accident. Vous parlez actuellement à un sous-programme du réseau de la Mail. Hélas, mes capacités opérationnelles sont limitées. Pourriez-vous énumérer votre numéro de dossier d'accès? Faut pas leur donner de numéro, c'est comme ça qu'ils nous retrouvent. Tu pourrais me dire pourquoi je suis là? Pour évaluer les dégâts que vous, madame ou monsieur, avez subis lors de l'accident. Ils ont évalué les miens à 20%. Votre identité a été confirmée grâce à la reconnaissance faciale. Monsieur Hans Jonas... Putain, vu la Lamborghini, elle a le moteur qui est au centre là, de la voiture, ça fait une sensation bizarre que tu drives. 7, putain. 7, 1, 1, 1, 1, 0, 1... 0, 9, 6. Rémios, j'en ai chié de joie. Maintenant, je veux parler au vrai de la Mail. V, toutes mes excuses si le réceptionniste vous a ennuyé. Intéressant. Hein? Non, bah non, mais c'est sorti ce matin, ça. Non, c'est encore que les autres sont faits. Pour
compenser les dégâts causés. Toi, c'est du favoritisme. Ah mais ça c'est faisable avec la voiture que je te montrais tout à l'heure. Ok, allons parler. Parfait. Veuillez suivre le drone. J'ai pleinement conscience que le service... Veuillez suivre le drone. Nous disons... Une visite guidée pourrait-elle vous fournir une forme de compensation? Ce couloir relie l'atelier au bureau. Voici l'endroit où la magie opère. L'atelier est entièrement automatisé. J'envisage d'élargir mon offre en ajoutant des services de réparation. Hélas, l'atelier est débordé de travail en ce moment. Pour savoir pourquoi. J'essaie encore de déterminer l'origine des défaillances des véhicules de la main. L'hypothèse est qu'elle soit causée par un virus avancé. Je dois résoudre ce problème. Cette brusque augmentation des accidents est coûteuse. Et fait à la campagne de meilleure électricité. La salle de contrôle. Votre présence ici m'honore. Ce qui est assez étonnant. T'es pas un être organique. Pourquoi t'as une salle de contrôle? À une époque, cet établissement était dirigé par des êtres humains. Je me suis contenté de reprendre leurs infrastructures. Tous ces voyants, c'est quoi? C'est de cela que je souhaitais vous parler. Hein? Les voyants verts signalent les véhicules avec lesquels je suis en contact. Hein? Vous constaterez que ce n'est plus le cas avec certains véhicules. Ce sont les voyants rouges. Les drones de réparation peuvent pas s'en charger? Cette fois, je crains qu'une intervention humaine ne soit requise. Je sais que vous proposez un large choix de service. Ah non, mais après, l'envoyé, ça passe, mais là, McLaren, une fois que le moteur à l'arrière, ça sera un peu plus facile. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules. Porsche, moteur à l'arrière aussi. Pour l'instant, j'ai plus de Porsche. Ok, je vais essayer de retrouver tes caisses. Vous m'envoyez ravi. Je vais vous envoyer les coordonnées de leur dernière position connue. Il vous suffira de les désactiver. Je pourrai alors rétablir la connexion et les renvoyer au garage. Je vais voir ce que je peux faire. Les véhicules de la Main ont un niveau de sécurité hors du commun. N'oubliez pas de vous équiper d'un scanner avec fonction de décryptage. Ah, pardon, ouais, je pars vraiment du cul, quoi. Putain.
Merci, je vais voir si je le trouve. Ramener en lieu sûr, alors. Au garage. En conduisant, à travers les rues. Ouais, j'en ai bien peur. Bah ça part tout seul, quoi. Tu mets un frein, tu l'as fait dégager de derrière, ça part tout seul. Conduisez-moi là-bas. Prévenez-moi quand je serai à l'abri. Vous pouvez monter, mais roulez prudemment et ne heurtez rien. Hmm? Ouais. Avant qu'il pleuve. Et puis j'étais aussi de juin. Bah quand je suis sorti du boulot il pleuvait et même quand je suis rentré il y avait de la pluie hein. Ouais, nous aussi tout à l'heure il pleuvait bien quoi. Chat, il est parti sur la côte. Chat, il est sur la côte. Est-ce qu'il a peur de Jimmy, ça ? Hein ? Et si tu passes devant Renault, tu verras la Camaro, tu verras si elle est encore bleu foncé quoi. La même que celle-là, mais en bleu.
Oh, je ne serai pas seul. Pardon ? Ici. Tu vois, c'était pas si terrible. C'était horrifiant. Mais je vous remercie quand même. En fait, sur la piste, il y a des trucs qui dégagent de la... Toi, regarde ça. Je viens de vous envoyer une partie de votre argent. Tu parles avec qui ? Ouais, je parle tout seul. Ouais. Sur la piste, t'as des trucs qui dégagent, là. Tu sais, des conteneurs, et t'as un truc qui... Un commun coup de poing, et ça dégage de la piste, hein. Ouais, le truc là, ouais. Attends, des motion derby ? Non, je suis en drift, mais ils ont mis ça sur la piste drift. Ah, c'est marrant. Et j'étais pas prêt, quoi. Je vois un conteneur, je passe à côté, et bing, ça met que les... Ouais, bah ouais. Hein? C'est pamplemousse. Ouf, je bats du objectif. Mais s'il n'y avait pas ces trucs qui t'éjectent de la piste aussi, ça se passerait mieux. Barry, c'est bien ça, non? Qui c'est? C'est V, le voisin du dessus. Vous vous souvenez? On avait parlé bagnole. Vous aviez dit que vous aimiez la Mizutani Shion. Et moi, j'ai dit que c'était une caisse de frimeur. Ouais. Ubisoft, c'est pas le genre de truc qui s'oublie. Vous auriez vu votre tête. J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands. Ça rappelle rien, ça? Julien, sous la map. Souviens, hein. Quand tu parles. Vous voulez quoi? Je me suis trouvé sous la map en fin de la course, là, sur le coup. Je voulais voir si ça allait. Vos amis m'ont dit que vous restiez cloîtré chez vous. Je crois savoir pourquoi. J'ai déjà vu ce regard. C'est typique des gens comme nous. Comme nous? Vous m'avez pas l'air d'être flic. Y a pas que chez les flics qu'on meurt. Dans mon boulot, si je la fais bien en voiture, je suis en avion. On croit qu'on est habitué, jusqu'à ce que ce soit un proche. Bah non, y'a pas de mère. Y'a pas ta mère. Alors, vous aussi? Bah, la mère. Entrez. Ah, t'as pas compris, non? Laissez-moi. Bah, la mère. De l'eau, et puis ta mère, quoi. Non, regarde pas ça, tu vas te faire le cauchemar, elle est dégueulasse. Putain, on aurait dit un cochon, quoi. T'as la tête qu'elle a, wesh. Putain, sa tête, j'ai perdu un proche, moi aussi, il y a pas longtemps. Un super pote. Comment ça, moi aussi? À mon avis. Attendez, c'est à cause d'Andrew. Il vous en parlait de lui. Et de sœur Emma, parce qu'elle a des sœurs. C'était mon meilleur ami. Ah ouais, j'aimerais pas être à sa place. Je le connaissais depuis tout petit. Oh putain, c'est quoi cette famille, quoi? C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Le NCPD, ça va pas en s'améliorant, hein? Pas vrai? Ouais, mais elle s'est soufflée par tout le monde, elle. Une fois, un Maelstromer a descendu un gamin sous mes yeux. Ah ouais. Comme ça. Juste pour se marrer. Ah, mais c'était deux côtés maintenant, ouais, toujours plus. J'ai rien pu faire. Toujours plus maintenant, il est. Cet enfoiré avait une immunité corpo. Saloperie. Le capitaine a reçu un don anonyme, et vous devinez la suite. J'avoue, putain. D'après le rapport. Le gamin s'est tiré dessus tout seul. Ouais, la MiG 5. Juste sous vos yeux. T'as le plus, comme je suis mort à l'intérieur depuis ce jour-là. J'arrivais plus à rien. Et quelques mois plus tard, quand Andrew est mort, c'est parti en vrille. Vous pouvez vous confier à personne au commissariat? À Petrova, à Mendez? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendez, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, ouais, c'est que t'es une fiotte. C'est comment ça qui m'a voulu aller parler d'Andro. Honnêtement, bah écoute, avec j'ai pas mal hésité. Et puis, ils savent pas tout. C'est mieux comme ça.
Mais putain, mais il est trop con, Crash. Hein? T'as vu le screen qu'il a envoyé, Crash? Non. Faut que t'ailles voir. Et Andrew, il est mort comment? Qu'est-ce que ça peut faire? De vieillesse? Oh, le con. C'est pas surprenant. Il était à peine plus jeune que ma grand-mère. De vieillesse? À Night City? Faudra lui dresser un monument. Tout le monde viendrait voir ça. Une urne dans une niche, c'est bien suffisant. Donc pour vous, Andrew était plus un grand. C'est une Deluxo. Oh, j'irai pas jusqu'à. Non, mais sérieux, quoi. Il était comme. Oh, je sais pas. Une fenêtre sur le passé, un truc comme ça. Il me rappelait mes grands-parents. Nos discussions. Bah, il est baisé, là. Un temps où chaque chose avait sa place. Ah, est-ce qu'on peut même pas le toucher avec le. Le dernier souvenir vivant. Bande de choc. Bah, j'avoue. Mendez, il connaît rien à la vie. On a tous nos limites. Même il lui. Est con, putain. Je pense qu'il a fait un changement de session. Il les a pas encore atteintes. Je pense, ouais. Et s'il avait raison. Oh le con. Peut-être que je suis faible finalement. C'est vrai. Il y a que les forts qui survivent. Si vous aviez rien senti à sa mort, je kiffe alors cette vie aurait eu aucun sens. Taper des barres. Ouais, peut-être. Oh, bah, je suis mon plan. Merci, V. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout toujours, ça. Mais lui, il me fait... Ça marche. Tu sais, des fois, je fais mission, il va à côté de moi, il dit coucou, puis il se barre, tu sais. Ah, mais j'ai mis un crash. Lui, par contre, t'aimes pas trop. Hein? Non, rien. Non, t'inquiète pas. Mais tu regardes dans le groupe, ils sont tous cool, hein. Oh, je sais pas, la plupart du temps c'est Hades, Crash, Schizo, Maxou. Après ouais, après chez moi tout ça, ouais ils sont pas marrants. Et les autres, je sais pas, ils sont jamais là. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'en fais moins aussi de GTA. Bah là, je te cache pas que moi ça fait 3 jours où j'en fais pas parce que j'arrive à ça, tu vois. Mais j'ai bien envie de surfer les braquages de la casse, juste j'ai la flemme de le lancer en fait. Même si je sais qu'il y a Hades et Crash qui sont là. Mais c'est quoi ces pistes? Putain, on n'est pas en derby, arrêtez de mettre des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais non, mais putain, ils ont craqué ça. Ouais, putain. Tu vas voir, les gars, je vais faire un partage, tu vois. Mais tu peux pas. Putain, bon. Ah merde. Ils abusent, ça, 5 sur 5, pas besoin de crier. Quoi de neuf? J'organise un petit concours de tir, avec des prix, tout ça. Je fais ça ici, au stand de tir, quoi. J'avais compris. Alors, ça te dit? Je pensais pas que les gros stuff c'était ton truc. Oh, c'est rien d'énorme, mais bon, je suis un peu raide, alors j'essaie d'attirer les clients comme je peux. Tu pourrais juste vendre des crasheurs tout droit sortis de l'usine, au lieu de passer des heures à... T'as nous impressionné, mais déjà, enlevez vos merdes là, vous avez mis sur le jeu là, j'ai déjà, et après on verra si je vous impressionne. En gros, c'est un bruit. Entre ça à éviter et puis la voiture qui part en... Ouais, grave. C'est quand? Eh bah, maintenant. On t'attend. À toutes. Barry va mal. Je veux dire, si cette tortue était la seule chose qui le poussait à se lever le matin... Bien, tu commences à comprendre. Je dois prévenir ses potes, en espérant qu'il soit pas trop tard. Tu sais ce qu'on dit, hein? Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Il pourrait passer de l'autre côté.
Surtout avec toutes les merdes qui lui sont tombées dessus. Oh mais c'est trop là. Mais... putain, sérieux quoi. Pourquoi ils ont fait ça, sérieux? Pourquoi les gars? Pourquoi vous mettez des trucs de Trixon Dermis ou des pistes de Drift, quoi? Sérieux, ça sert à quoi? Salut, toi. Koko wa yasuraka na nemuri no ba desu. Rousoku wo tomosu kōi, rakugaki kōi wa kataku kinjirarete imasu. Jackie Williams. Moi, pilote, mais gros, t'as vu ce que tu m'envoies sur la gueule aussi? Elle est sérieuse, elle? Elle m'envoie le coup de poing sur la gueule, elle me dit doucement, pilote, oh, ça va quoi. Merde, tu peux pas te viser. Ah, j'ai plus l'impression de faire du derby que du drift là, avec ce qu'ils ont mis. Ah mais c'est bon, arrêtez avec vos merdes de trucs là, c'est bon, vas-y, au moins j'ai fini la course, mais plus jamais quoi. Je referai avec la Winigan parce que celle-là laisse tomber quoi. Complètement débile. C'est complètement débile de faire ça. Ta Kimura, ferme ta gueule. Ah, c'est toi. T'as parlé à Barry? Il a enfin décidé d'arrêter ses conneries. Nom de Dieu, Mendez! Barry va pas bien. En fait, il va tellement mal qu'il préfère parler à une tortue qu'à vous deux. C'est censé être une blague? Au contraire, c'est vraiment triste. Barry a pas bien supporté sa vie de flic. Vous vous foutiez de sa gueule. Alors il a arrêté de se confier. Et tout ce qu'il avait à part vous, c'était une tortue. Un souvenir de sa grand-mère. Jusqu'à ce qu'elle meure. Merde. J'en crois pas un mot. Tu racontes des conneries. Vous voulez une preuve? Allez voir la niche au Columbarium. Mais pourquoi il nous aurait menti? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain. Comment aurait réagi Mendez si Barry lui avait dit qu'il parlait à une bestiole? Merde, Barry! Je pensais qu'il faisait du cinoche et que ça allait passer. Faut que j'aille lui parler. C'est pas trop tôt. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement.
Non, mais c'est pas connard. Non, Petrova m'a dit que sur ta dernière affaire, ça avait merdé. Le capitaine t'a dit de fermer ta gueule, c'est ça? Il m'est arrivé la même chose. Un putain d'assassin d'enfant. Ce fils de pute était au conseil de Petrochem. Alors on n'a rien pu faire. J'oublierai jamais. Le t-shirt de ce gamin. Vert, avec un petit chat jaune. Alors, journal, le stand de tir. Alors, on fait quoi maintenant? La patience est une vertu. Oh! Bon, une fois que je pose l'œuf d'iguane. Je vais pouvoir changer la radio. Voilà, on va voir là maintenant ce que ça fait avec l'Omnigan. À mon avis, je vais pas exploser le record, mais faire un peu plus. Voire même beaucoup plus. Commencer. Si t'as envie de pisser ou quoi, c'est maintenant. C'est gentil d'y penser, mais ça va. On peut commencer. Ok, mais faut d'abord que tu te mettes en place. Allez, hop hop hop. Combien de concurrents? Seulement 6. Dommage. Mais on va pas pleurer, hein? Les règles sont simples, ok? Il y a une cible, vous tirez dessus. Vous pouvez même tirer sur celle du voisin. Celui qui réussit le plus de tirs gagne. Te tire sur la cible, hein, pas sur le voisin. Ah oui, que des petits calibres. Venez pas vous la jouer avec un putain de fusil d'assaut ou un lance-roquette, ok? Premier prix, un flingue. Mais un super bon. Il arrache, je vous le dis. Enfin bref, je m'arrête là. C'est trop d'émotion. Prêt ? 3, 2, et c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fous avec un double canon ? J'ai dit que des petits calibres. J'ai oublié mon crasher. J'ai dû le laisser dans mon autre veste. C'est pour ça qu'on range son flingue dans un holster. Un holster ! Allez, dégage de ma vue et que ça saute! Putain, Tchoum! Calmos! Ça va, je m'en vais! De la confiture à des cochons! Ouais, je fais le quadruple score de ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça provient mal de la voiture. 3, 2, 1.
lever. Vise la cible, pas le mur. C'est bien parti, Rudy. Continue. On est à mi-chemin, mais reprends-toi, putain. C'est quoi ça, Lisa? T'as oublié tes lunettes? Dernière chance, mais... Ah, rien de tel que l'odeur de la poudre et du plomb brûlant. Top! Tout le monde arrête! C'est fini! Première place, V! Deuxième, Rudy! Les autres, apprenez à tirer, bande de petites bites! Allez, hors de ma vue! Merci, Wilson. C'est vrai qu'il a de la gueule. Un pistolet. Ouais. Eh, ça va? Y'a... Y'a un truc qui cloche? Y'a tout qui cloche en ce moment. Le concours a servi à que dalle. J'ai pas fait une seule vente. Pas une. Évite déjà de traiter tes clients potentiels de... petites bites. Ok, mais... putain... ça se respecte, les flingues. Tu sais pas tirer, bah tu tires pas, c'est tout. Ah. Prends soin de toi, V. À plus. Pas la seule à avoir pensé ça. Moi aussi, j'ai cru que c'était la fin. Ah, c'est parti en couille, c'est ça? Il y a eu des imprévus. J'imagine que t'es au courant pour le casse. T'as dû parler... à Evelyn? J'ai pas eu besoin. Toute la ville est au courant. Écoute, il doit trouver Evelyn. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Est-ce que tu sais où elle est? T'es sourd ou quoi? Laisse tomber. Je le répéterai pas. Judy, t'es mon seul espoir. J'ai pas d'autre piste. Je dois la retrouver. Et je sais que tu peux m'aider. Et pourquoi je le ferai? On peut se voir? Allez, dis oui, s'il te plaît. T'es au Lidziz? T'es pas déjà vu dans le coin? J'ai une super mémoire des visages. Tu veux t'amuser un peu? Attends, je chante. Tu vas parler à Punchin, Judy. Aller dans son studio. Hein? Descends l'escalier. Je vais prévenir Judy que t'arrives. T'es accro. Je trouve que... Dis-moi, mon chou, est-ce que tu vas me faire sentir encore mieux? Je te sers quelque chose? Je cherche Evelyn Parker. Je l'ai pas vue dans le coin. Et t'aurais pas une idée d'où elle peut se trouver? Pas la moindre. Tu sais pas du tout où elle pourrait être? Je suis barman, pas secrétaire. La nuit dernière, 4h du mat', je suis au bar avec Hey, où tu crois aller comme ça? Y'a rien à voir ici. C'est bon. C'est un pote de Judy. Mais pour l'instant, j'essaie d'en placer une. Parce qu'il faudra qu'elle me rencontre cet après-midi. Pour que j'aille récupérer ma... T'as fini de fumer ton truc. Mais bon, on est coulottes, tu vois. Arrête de m'envoyer tous les objets de plaisir que tu trouves. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? C'est pas moi, c'est... Je t'en dis pas.
Ouais, j'ai un pistolet tout rose. Ouais, bah, aux dernières nouvelles, on n'est pas un centre d'accueil. Si tu t'en fais autant pour les paumer, va donc t'occuper de ton invité. Suze, on n'a pas terminé. Bien sûr que si, on a terminé. T'abandonnes jamais, toi, hein? On a... Les Mox et les Nomades n'ont pas l'air si différents. Ils parlent tout le temps de communauté, de solidarité. Dilemme classique. Qu'est-ce qui passe avant? La famille ou le monde extérieur? C'est un club, ici. Tes opinions de snob, ça intéresse personne. C'était quoi, cette scène? Tout le monde dans cette ville vit dans sa putain de bulle. Et du coup, soit tu sais nager, soit tu coules à pique. Écoute, t'as pas vu Evelyne? Je dois lui parler. C'est important. Pourquoi? Pour lui faire porter le chapeau pour ce casque t'as foiré en beauté? J'ai besoin de découvrir pour qui elle bossait. C'est tout? C'est tout. Judy, t'as pas à t'en faire. Je vais pas lui faire de mal. J'ai rien à y gagner. D'accord. D'accord. Evelyne est une poupée. Elle bossait aux Clouds avant. L'adresse est dans l'étui à cigarettes, sur ma table. Prends-le et donne-le à Evelyne quand tu l'auras retrouvé. Une méga tour? C'est le grand luxe. Attends. Tu me diras comment elle va. Ok? Ok. Je t'appellerai. Merci. Merci, Yves.